Élève en classe d'architecture à Dijon, Félix Yem rêve déjà de Venise, qu'il dessine et peint d'après les estampes qu'il peut trouver. À partir de 1842, il s'y rend plus de 20 fois, allant même jusqu'à louer puis acheter un topo, barque à fond plat de la lagune, dans laquelle il aménage un atelier flottant. Yem aime peindre les lieux emblématiques de Venise, qui deviennent parfois le théâtre de reconstitutions historiques. Laissée inachevée, cette procession à Saint-Marc montre les étapes de son travail. D'abord, les grandes masses colorées, ciel, façade blanche de la basilique surmontée de pinacles, prolongée par le palais des Doges, brun de la place, horizon du canal. Puis, en brun et noir, dessin nerveux des lignes de force, pavage quadrillé, esquisse de la colonne du Lion de Saint-Marc. En rouge enfin, arabesque des trois étendards de Venise, contraste coloré de la procession. Yem appréhende la forme par la couleur avant d'en canaliser l'énergie lors de la construction, méthode qui fait dire à Théophile Gautier, comparant Yem à Turner, avec une goutte d'eau où se dissout une parcelle de couleur, il bâtit en quelques coups de pinceau une maison au crépi vermeil.